congé est croissant. Alors que les bouchers veulent défendre leur bistec, les éleveurs de volailles se font plumer. Les éleveurs de chiens sont aux abois. Et les pêcheurs haussent le ton. Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde. Tandis que les céréaliers, eux, sont sur la paille. Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, les viticulteurs trinquent. Heureusement, les électriciens résistent. Mais pour les couvreurs, c'est la tuile. Et certains plombiers prennent carrément la fuite. Je sais bien, je suis plombier. Non, non, mais cherchez pas, je ne donnerai pas un tuyau. Ouais. Dans l'industrie automobile, les salariés débrayent dans l'espoir que la direction en fasse marche arrière. Chez EDF, les syndicats sont sous tension. Mais la direction ne semble pas être au courant. Les cheminots voudraient garder leur train de vie, mais la crise est arrivée sans crier gare. Les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour, pendant que les pellicules travaillent d'arrache-pied. Les croupiers jouent le tout pour le tout, les dessinateurs font grise mine, les militaires partent en retraite, les imprimeurs dépriment,